Alors, vous allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo haul action. Mais tout d'abord, avant de vous montrer ce que j'ai acheté, j'aimerais d'abord remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Franchement, c'est top. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires, qui mettent des petits pouces. Alors, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Je m'extasie peut-être sur quelque chose de banal, mais ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, je voulais commencer cette vidéo pour vous dire à tous merci. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue sur ma chaîne. Alors, bon, c'est pas une grosse chaîne, je suis consciente de ça, mais il faut un début à tout, hein. Peut-être qu'un jour, je ferai des vidéos beaucoup plus élaborées. Mais bon, voilà, il faut un début et c'est mon début à moi. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Il n'y aura pas grand-chose, ce ne sera pas une grosse vidéo. Bonjour, dis bonjour, Pounel. Donc, on va tout de suite commencer cette vidéo avec Prunelle. C'est Prunelle qui va faire la vidéo. Alors, on va commencer par ceci. Du coup, c'est du scotch. J'en avais presque plus, donc j'en ai acheté deux. Donc voilà, c'est pareil, je vous mettrai les prix quelque part. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai des trucs fragiles, alors je fais gaffe parce que j'ai deux bras gauche. Alors j'espère que je ne vais rien casser. J'ai ensuite acheté ceci. C'est un bocal en verre, me semble-t-il, que je dise pas de bêtises. Ça passe sur le lave-vaisselle. Ça, c'est pas mal. Bon après, je sais pas, mais pour moi, c'est du verre. Hein. Bon, voilà, bref. Hop, avec le petit couvercle en métal, comme ça. Donc, elle est assez grande. Elle fait quasiment la taille de ma tête. Et vous avez vu, j'ai failli la faire tomber. Tellement que je suis douée. Donc, du coup, j'ai acheté ceci. C'est pour mettre dedans le thé de mon mari. Parce qu'actuellement, son thé, il le met dans une boîte en fer. Et bah, c'est pas, enfin voilà, je trouve que ça sera plus joli parce que comme c'est du thé en vrac, je trouve que ça sera plus joli de le voir dans un bocal comme ça, transparent et en verre, que dans une boîte en métal fermée et enfin voilà. Et encore je dis en métal, mais non, c'est une boîte en plastique. Donc bon, hein, ça va vraiment mieux. Ensuite, toujours du verre, j'ai acheté une petite boîte comme ça, une, enfin oui, une bonbonnière, justement, pour mettre ben, les bonbons. On a des bonbons à la maison et ils sont dans une boîte en plastique, une boîte Haribo. Parce que bon, c'est des bonbons Haribo. Mais je me dis c'est plus joli dans une bonbonnière en verre que ben, dans la boîte en plastique. Et en plus de ça, alors je pense que vous l'avez déjà vu, parce que ça se voit à 1000 km, moi je trouve. Elle est holographique, donc ça a plein de couleurs. Et je trouve ça magnifique, je trouve ça trop trop beau. Donc oui, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté, ça va se casser la binette, j'ai acheté une petite boîte comme ça, en cœur pour la Saint-Valentin. Je ne sais pas trop encore ce que je vais acheter pour mon mari. Mais je me dis, quoi que je trouve, quoi que j'achète, ben je le mettrai dedans, ça fera très joli. Et il adore les boîtes, alors. Bon, bien sûr, je ne vais pas lui offrir la boîte vide, je vais mettre quelque chose dedans. Mais voilà, vous avez la boîte. Ça, c'est le gel. Et voilà, toute simple, toute basique, mais c'est joli, c'est mignon. Ensuite, alors, toujours pour la Saint-Valentin et. Il y a quelque chose qui est fragile, qui se casse. J'ai acheté deux assiettes comme ça. Voilà.
Si je ne travaille pas ou si je suis du matin, le jour où c'est la Saint-Valentin, et ben je lui ferai un petit repas en amoureux là, avec ces deux assiettes. Je trouve ça ben, très mignon, très romantique. Donc voilà. Hop. Il y avait un avis d'ordre comme ça, avait marqué I love you. Il y en avait aussi marqué you and me, donc toi et moi. Mais alors vu que déjà son français, là. Alors, si en plus je lui prends des trucs en anglais, déjà, I love you, bon, il sait un petit peu ce que ça veut dire. Mais si je lui prends des trucs, voilà, il saura pas ce que ça veut dire. Là, il saura. Ensuite, alors, j'ai pris ceci. Alors, oui, il fait froid. Et quand le matin, je dois partir et qu'il faut gratter la tétine, et encore, je dis le matin, mais c'est arrivé le soir en partant du boulot. Que je la gratte quand même parce que ben, en fait le soir des fois il fait très froid aussi. Du coup j'ai acheté ça. Alors j'en avais un avant. Pareil, en bleu et tout, pour mettre la main dedans pour gratter sans se geler les doigts. Mais je ne sais plus où il est passé. Donc du coup j'ai pris celui-là. J'espère qu'il fera bien l'affaire. Mais bon, en tous les cas, j'aurai la main au chaud. Enfin pas très. C'est pas très glamour, mais. Vraiment, l'hiver, moi je cherche pas à être à la mode, à être stylée, machin. Il fait froid. Je veux être au chaud. C'est tout ce que je demande. Ensuite, j'ai pris un paquet de mouchoirs, donc de la marque Kleenex. Il y en a 4, 5, 6, 8 dedans. Il y a 8 paquets dedans. Donc voilà. C'est des mouchoirs. Et on en a besoin en ce moment, vraiment. Et du coup, le dernier, c'est un gel douche de la marque Cadom. Douceur de lait. Et du coup, c'est pour les peaux sèches. Et alors là, autant vous dire que il y en a besoin. Avec de l'huile d'amande douce bio. Et voilà, lait d'avoine. C'est une vieille, il me semble, enfin une vieille. Ça fait longtemps qu'elle existe, il me semble, cette marque, hein, Cadom. Donc voilà, je vous avais dit que ça ne serait pas une grosse vidéo. Parce que du coup, c'était le dernier article. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu quand même. 7 minutes, ouais, c'est vraiment, vraiment court. Hein. Mais c'est tout ce que je voulais, ce que j'ai acheté. Après, j'ai oublié de prendre du papier toilette. Enfin, je suis sûre que j'ai oublié d'autres choses. Hein. Quand mon mari va rentrer ce soir, il va me dire, ah, mais t'as oublié d'acheter ça. Ah, t'as oublié d'acheter ça. Donc voilà pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Même si ce n'est que mettre un petit cœur, un bonhomme qui rigole. Bref, ça me fait plaisir. Et si le cœur vous en dit, partagez-la. Et voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao!